malgré les épreuves dans ma vie. Gaina yebina kolonga, malgré les situations difficiles. Gaina yebina kolonga, o matane kulusu. Natina olongelanga, o kitina lise kwa Yesu. Kayo na banga nini yaya na nga ye yaya na nga Yesu na ekuke ya motema na nga yaya na ndimi yo ovanda tengisela nga ipole na yo nga inalingi na mona kembo obalise. Dieu témoin ton ami. On a vécu l'histoire. Et puis les amis de l'histoire. La vraie témoin des Arabes. Et après, nous allons passer à ce qu'on appelle l'entrée éminente de l'officier de l'état civil. Ça sera le bourgmestre qui va effectuer son entrée pour qu'avec lui, on procède avec cette cérémonie. Voilà, on vient encore de me demander de laisser les micros et de parler sur ça. Participez s'il vous plaît à cette songi. Nous ici, nous participons à la cérémonie du mariage civil de M. Pierrot et de madame d'aujourd'hui, Clarisse, lesquelles ont commencé leur connaissance. C'était en 2017, au mois de décembre, et c'était dans la commune de Mandal, par l'intermédiaire de madame Clarisse. Madame Clarisse Bilonda, qui réside maintenant au CIE, ça c'était lors de son séjour en RDC à Kinshasa. C'était ensemble, c'était là. Pierrot avait vu Clarisse, c'était ce jour-là. C'était un jour comme ça, Et Pierrot a vu Clarisse et leur copinage a commencé, c'était le 8 décembre. Le 8 décembre en 2017, ils ont commencé leur copinage et quand nous sommes arrivés le 5 août 2020, maintenant, c'était le 5 août 2020, devant les frères de Pierrot, devant les sœurs de Pierrot, devant les amis de Pierrot que nous sommes, devant Briffy, devant Omar Kabongo, c'était devant Sila, devant Bellevue, que je pense qu'ils seront là. Et c'était devant eux que Pierrot va demander d'épouser Clarisse. Le 5 août 2020, Pierrot demanda d'épouser Clarisse. Je crois que Clarisse n'avait pas hésité, puisque je peux vous dire que Clarisse aussi avait déjà de sentiments pour Pierrot, et il fallait attendre que le roi commence. Okay? Le roi avait commencé, c'était fait, et
Nous sommes le 15 août 2020, Pierrot devant les familles respectives, bien sûr. Ah, c'était devant les familles respectives, quelques membres de famille réunis. Pierrot va prénoter Clarisse. Pierrot va prénoter Clarisse. Et nous arrivons le 2 août, le 2 octobre plutôt 2020, nous étions tous allés assister à la remise des dots. C'était réglo, en tout cas, réglo incommensurablement. Il y avait même des matins. Et nous sommes aujourd'hui, le 16 octobre 2020, nous assistons à la célébration du malaise civil par l'officier civil de l'État. Si vous pouvez applaudir très 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 fort s'il vous plaît. Très très fort. Mesdames et messieurs, recevoir cette présence très éminente du roi et de la reine, accompagnée de... Bien sûr, nous allons avoir un témoin. Le témoin sera là. Oh là là, on me dit qu'un petit problème va vos applaudissements. Mesdames et messieurs, allez, je vous demande. Sala qui pensa au nom de l'amour on dit ni la fanda nanda kona Pona kuta na na ya na zela na na. Golu elongo limo beko epe sinzemo. Ya ya na na ya. Olingo na na ya ya. Na tika yo na zimo susu wapi wapi. Bolingo sole la tinzoto, e kiti e babawe, e pesi bomoi, e su. Coréen de la République démocratique du Congo, Monsieur Pierrot Ndombas. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Tout ce que je vous avais dit n'était qu'une réalité. Je vais m'abstenir maintenant du sogi-sogi. Je vous dis du vrai. Monsieur Pierrot que vous voyez, c'était le 8 décembre 2017, le copinage. Et ça a commencé. Nous arrivons le 5 août 2020, Pierrot va démonter devant ses amis, devant ses frères et sœurs, à épouser Clarisse Josephette. Et le 15 octobre 2020, Pierrot, devant les familles respectives, va doter Madame Clarisse. C'était fait. Et nous, le 2 octobre 2020, nous tous étions allés assister à la remise des dots. C'était fait. Et aujourd'hui, c'est encore fait. On peut encore applaudir? Monsieur le protocole, est-ce que nous pouvons assister maintenant à l'entrée de la reine? Une entrée époustouflante, à romantiser. Si vous êtes belle aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Voici la beauté qui arrive. Regardez nulle part. Madame Marie,
madame connaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pardon. Madame arrive. Il y a un témoin. Le témoin est là. Suivi. Maman. Léa. Madame arrive. Ce n'est pas chose comme ça, chose facile que vous soyez suivi de la patronne. Madame arrive. Ce n'est pas aussi facile que la star soit parmi nous ce soir. La star. Objectif important à ne pas oublier. Le reste c'est secondaire. Vous vous mariez, monsieur Maxime et mademoiselle Clarisse, pour partager votre vie commune, partager votre destinée. Monsieur, vous êtes juste là, vous étiez seul, maintenant vous êtes à deux. Pour tout problème dans le foyer, référez-vous à votre épouse. Maman, faites autant. Partage de votre vie. Deuxième objectif, vous vous mariez pour perpétuer votre espèce, c'est-à-dire avoir des enfants. Ah, maman Clarisse, matin j'ai célébré, je crois, une ouverture de mariage. J'ai posé cette question à vos collègues qui sont mariés ce matin. Vous pensez que dans votre vie conjugale, vous pouvez avoir combien d'enfants? Vous avez une idée? Nous sommes enseignants publics. Ah, vous avez... Ah, en tout cas, applaudissez pour le coup, je vous dirai pourquoi. Vous savez pourquoi? En posant cette question, et Clarisse et Maxime se sont regardés. Donc, la gestion du ménage commence déjà ici. Merci, c'est très bien. Alors, maman, vous avez une idée? Plusieurs, mais vous n'avez pas de nombre. Ah, voilà, maman dit, aidez-moi. Même 10. 10 hein? Même 10. Ah. Ah oui. Enfin, le Seigneur vous donnera même plus. Amen. Parce que derrière vous, je vois toute une foule. Devant vous, nous sommes là nombreux. Chacun de nous. Et ceux qui sont derrière, et nous qui sommes devant, chacun de nous voudra avoir son nom dans votre foyer. Bon été. Oui. Parce que quand il y a le nom, il y a fête. Enfin, le nombre d'enfants, maman, ce que vous avez dit est vrai, il n'y a que le Seigneur seul qui connaît. Mais si je parle d'enfants, monsieur Maxime, je fais plutôt allusion à la loi portant protection de l'enfant. N'oubliez pas cette loi. Que dit cette loi? Cette loi vous demande, vous oblige, dès que vous avez un enfant dans votre foyer, monsieur Maxime, allez directement à la maison communale, de la plus proche de votre résidence, pour déclarer cette naissance. Dans combien de temps, monsieur le préposé? 90 jours. Non, toujours parlons comme les Flamands. L'enfant doit être déclaré au bureau de l'état civil. On va vous donner un document qu'on appelle acte de naissance, qui va permettre à votre enfant de voyager sans problème, qui va même lui permettre de se reconnaître qu'il est votre fils ou bien votre fille. Dépasser le nom toujours, n'allez plus. Si vous y allez, on va seulement vous chasser. Allez au tribunal chercher le jugement supplétif. Enfin, il y a un acte. Vous mariez pour quel but? Je viens d'en parler. Maintenant, il y a un article que vous ne pouvez pas oublier pendant toute votre vie conjugale. C'est l'article 444. C'est facile à retenir. 444. Que dit l'article 444? Je vais vous donner la définition en regardant maman. Article 444. Le mari est le chef du ménage. Mais les époux se doivent protection mutuelle. Opposé.
Monsieur, en date de ce jour, vous devenez responsable numéro 1 de votre foyer. Et quel est votre rôle en tant que chef? Taper votre épouse? Non. Le rôle que l'État congolais vous demande de jouer dans votre foyer, c'est de protéger votre épouse. La protéger sans condition. Même s'il faut mourir pour sa protection, n'hésitez pas à mourir. Vous ne serez pas le premier. L'histoire nous dit quelque chose. Vous connaissez un monsieur qui avait trouvé l'amour pour avoir protégé son épouse? Héros. C'est qui? Héros. 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 Mais c'est qui? Le nom c'est qui? Le Lumumba. Ah, applaudissez pour lui, il connaît son histoire. Merci. C'est monsieur Lumumba. Faites comme lui. Protégez votre épouse. Maman, protégez votre mari. Là, c'est l'article 444. Très important à ne pas oublier. Si vous n'appliquez pas cet article, même demain, vous allez vous séparer. Il s'agit de l'article 459, Code de la famille. 459. Mesdames, les députés, mademoiselle Clarisse. De nationalité congolaise, profession modéliste, état civil célibataire. Elle est née à Chikapa le 19 mars 1900. Lopini Maxime. Les parents de mademoiselle, ils peuvent se lever, c'est grâce à eux que nous sommes là. Applaudissements pour les parents. Nous invitons sur les témoins, et c'est aussi pas mon mari et madame Belinda qui pousse ça. Les vrais témoins, applaudissez pour les témoins. Papa, vous avez reçu la note? Oui. Tout. Non, tu l'as vu. Non, moi, je suis un amour. Vous avez autorisé de sceller ce mariage? Oui, nous avons autorisé. Merci, applaudissez pour le papa. Comment que nous avons bel et bien publié ce mariage chez nous et nous n'avons pas enregistré d'opposition, donc nous pouvons siéger valablement sans problème. Je remets la parole à l'officier de l'état civil qui va vous instruire sur quelques essais du code de la famille et la loi portant la protection des enfants. Merci, monsieur le préposé de l'état civil de la commune de Limete. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Nous voici réunis, mesdames et messieurs, dans ce beau cadre vraiment pour un événement heureux, un événement civil, public et solennel. Le mariage civil, pour ceux qui ne le savent pas, dans notre pays, est une institution officielle. Cette institution trouve son fondement dans l'article 330 du Code de la famille. Et le même code nous oblige, messieurs Maxime et mademoiselle Clarisse, qu'avant de sceller votre union, nous devons d'abord vous faire. L'instruction, c'est sur quelques articles que vous n'allez pas oublier jusqu'à la mort. Il s'agit notamment de l'article même qui vous donne la définition de mariage. J'aimerais que les célibataires qui sont là suivent attentivement parce qu'aujourd'hui c'est Maxime et Clarisse. Demain ça sera votre tour, n'est-ce pas? Oui. Qu'entendez-vous par mariage civil? Là il faut recourir directement à l'article 330 du Code de la famille. Que dit l'article 330? Le mariage civil est l'acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré, mais les deux établissent une union légale, un foyer dont les effets de formation de cette union
et la dissolution sont déterminés par la loi, dépendent de la loi. Ça veut dire quoi, M. Maxime et Mademoiselle McFly? Ça veut dire ceci, après cette cérémonie, une fois votre union scellée, terminée, ni vous, ni votre future épouse, jusqu'ici elle est encore future, personne ne peut chasser personne du foyer. Votre séparation ne peut être possible que si elle est autorisée par les cours et tribunaux de la République démocratique. En dehors des cours et tribunaux, il n'y a que la mort de l'un d'entre vous deux qui pourra nous aider à vous séparer. C'est le Kani. Oui, les parents qu'on a présentés tout à l'heure, et vos parents, et les parents de Mademoiselle Clarisse, sont incompétents pour vous séparer. Vous n'avez aucune compétence. Même la commune qui vous marie par ma personne, elle est incompétente aussi. Il n'y a que les cours et tribunaux. Mais on ne se marie pas pour se séparer demain. On se marie une fois pour toute la vie. Et pour quel but? Quel est le but? Quel est l'objectif du mariage? Beaucoup viennent se marier. Vous se marier pour quel est l'objectif? Oui. Mademoiselle Chilo du Kalenga Clarisse. Consentez-vous à prendre pour époux. Monsieur Ndombassi Lopini, Maxime ici présent, oui ou non? Oui. Monsieur Omari Kabongo Ousmane, consentez-vous à ce que Monsieur Ndombassi Lopini, Maxime, prend pour épouse légitime. Mademoiselle Chilondi Kalenga Taris, tout est ici présent, oui ou non? Oui! Yeah. Et enfin, Madame Belinda Kikusa Kandi, consentez-vous à ce que Mademoiselle Chilondi Kalenga Clarisse devienne épouse légitime. Monsieur Ndombassi Lopini Maxime, tout est ici présent. Oui ou non? Oui! Yeah. Attention, mesdames et messieurs, vous et moi, allons mettre fin au célibat de Monsieur Ndombassi. Au nom de la loi, je prends acte de votre consentement et je vous déclare unis par le mariage. Oui, maman. Félicitations. Maman, c'est grâce à votre vie que la vous venez de se faire. Pierrot, ça m'a pas dit. Ah oui. Maman, maman, Pierrot. Voilà. Monsieur, à l'alliance de votre épouse, présentant l'assistance, en fait, Madame Clarisse, vous levez votre main gauche pour montrer qu'il y a rien. Voilà. Voilà. Très bien. Monsieur, tenez sa main gauche. Voilà. Vous êtes libre. Parlez à votre épouse. C'était depuis le 12 décembre. Dans la langue de votre choix. 2017. C'est que vous avez parlé en 2017. En 2017. Faites un effort pour qu'on vous l'entende. Allô? 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 Ok. M'écoutez? Oui. Maintenant, je veux parler. Allô? Ben, Kalenga Wani. Monsieur Pierrot qui parle. Eh ben, je sais qu'à ce moment, les yeux sont braqués vers moi et les oreilles attendent de belles paroles. Même les horizons. Très bien. Ben, je veux décevoir quelques-uns. Parce que je ne serai pas Pierrot pour créer un scénario, plutôt Maxime, un mari devant Clarisse. Amen. Yes. Amen.
Je que trois phrases. Retenez ça. La première. Je ne suis pas jaloux pour ton passé. Car c'est ton avenir qui m'intéresse. La deuxième. Ouais. Je sais que la vie est très difficile et c'est un combat. On peut ou, je ne sais pas, passer des moments difficiles, mais je serai toujours à côté de toi. La deuxième est passion. Ouais. Et la troisième phrase, et la dernière. Oui. Hey. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je parle à ma femme. Je parle à my darling. Je parle à my heart. À my sweetheart. À my love. À my life. C'est une phrase infinie. Écoutez ça. Il est infini. Chérie, je t'aime. Yes. Beaucoup. 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 Yes. Madame est aussi artiste, elle va utiliser sa voix. Yes. Écoutez. Maman. Maxime, mon amour. Maxime, mon amour. Par cette alliance, je lis ma vie à la tienne. Par cette alliance, je lis ma vie à la tienne. Je lis ma vie à la tienne. Que cette alliance soit le rappel que je serai toujours là pour toi. Que cet amour, cette alliance soit le rappel que je serai toujours là pour toi. Je partagerai mes joies avec toi. Je partagerai mes joies avec toi. Je serai là pour te soutenir. Je partagerai mes joies avec toi. Je serai là pour partager tes joies et pour te soutenir à chaque instant. Je t'aime. Yes. Wow. 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 Non, interprète. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Les deux époux sont de véritables poètes. Kabomoi nangai nalinga kayo
Nalinga kayo e koleka nyonso kopesa ngai masia esa vérité kaka vérité le yango. Mesdames et messieurs, messieurs Ndombassi et madame Ndombassi sont entrés ici célibataires. Maintenant ils sont mariés. Et voici la position des femmes, d'un couple marié. Maman, votre place est toujours à droite de votre mari. À la maison comme dans la rue, on ne vous trompe pas, restez toujours à sa droite. Ça peut arriver comme monsieur, vous pressez dans une fête, vous y arrivez, vous trouvez une dame à sa droite. Demandez-lui gentiment que cette place vous a été donnée par l'État congolais. Arrivez. Je se met à gauche et puis vous allez prendre votre place. À la bonne entendeur, salut. Entre mes mains, un document important. Ce document s'appelle acte de mariage. Vous y trouverez la signature du procureur de la République de notre ressort, de M. le gouverneur de la commune de l'Imété, de votre signature et la signature de votre ressort. C'est un document à protéger jalousement, M. Maxime. Vous allez le mettre là où vous avez caché vos titres académiques. Parce que même après vous, comme sommes tous appelés à mourir, après vous, ce document va servir à ma femme. Après vous deux, ça va servir aux enfants. Donc il faut vraiment protéger ce document. Tendez vos quatre mains, je vais vous le remettre d'une manière officielle. Voilà. Sous les applaudissements du public, s'il vous plaît.